Hey yo les gars, c'est Zaraki, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, on se remet petit à petit. La gorge et le nez qui est un peu pris, comme je vous l'ai dit hier. Donc, si vraiment la vidéo, vous voyez que j'ai le nez pris, la gorge, etc., c'est normal. Désolé encore une fois d'avance, j'espère que ça partira assez vite. Hein. Donc voilà, aujourd'hui on est parti pour tester, donc showcase, hein, le trio de l'univers 11 avec les deux EX qui viennent de sortir. Il faut savoir que je les ai les deux PZ. Hein, et donc j'ai quand même mis énormément de cristaux sur le portail. Et on peut voir que dispo je l'ai que 6 étoiles. Je l'avais 5 étoiles à la base avant de le PZ. Le topo je l'ai monté à 7. Enfin je l'avais 7 plutôt. Et je l'ai monté à 8 étoiles. On va le monter jusqu'à 9. Et après on laissera les portails des invocations faire le reste. Donc la team c'est très simple. Il y a une très très bonne synergie vous vous en doutez. Avec les 3 personnages de l'univers 11. Et le banc est fait pour les booster. Donc la petite Caulifla Zenkai va donner sa cape des Zenkai à Jiren, mais par contre sa casette classique ne s'applique pas aux personnages du haut, enfin les 3 premiers. Le Bergamo il est là pour sa cap Z HP pour la team et on peut potentiellement le prendre, je viens pas dans ce showcase, mais selon si tu tombes contre une future ou autre, que tu as un délire avec les couleurs, etc., tu peux le prendre, mais on le prendra pas dans ce showcase. Et le C17 il est là pour sa cap Z, donc double ligne offensive qui va donner du sale. Au niveau du trio qu'on va jouer, parce que c'est ce qui est intéressant. Les équipements, on va pas en parler, hein, voilà, l'équipement classique pour les sagas survie de l'univers, donc celui-ci. Après, j'ai mis, bon, pour lui, j'ai boosté les dégâts d'énergie, parce que vous allez voir que dans la présentation de Dispo, il est vraiment axé sur les dégâts d'énergie. Et pour Topo, on a vraiment tout boosté au niveau de la def, même si on a une ligne qui augmente les dégâts de la technique ultime et qu'il en a pas, c'est pas grave, ce qu'on veut, c'est vraiment le booster défensivement. Parce que ce personnage-là, c'est un pivot. En fait, son rôle, c'est vraiment de faire son rôle de pivot et de personnage qui heal la team. Et après, bien sûr, ils ont l'équipement de chaque EX au niveau de la couleur. Donc, équipement de l'EX vert, rouge, etc., jaune. Fin... Enfin, bref, vous m'avez compris. Donc, on va commencer par Dispo, qui est le moins étoilé. Au niveau bon, de l'artwork, hein, déjà, on va regarder un petit peu. Qui est plutôt stylé, hein. Franchement, c'est simple, mais assez stylé quand même. Le personnage, donc, est vert de type énergie au niveau des stats, vous le voyez, c'est très léger. Hein, c'est tout le problème que j'ai quand même mis en avant sur Twitter. C'est-à-dire qu'il faudrait, je pense, pour les prochains EX, enfin, le jour où ils referont certainement une formule avec les EX, c'est pas normal qu'un EX ait un taux plus bas que le nouvel LF qui sorte. C'est-à-dire qu'un EX a 0,25, je crois, de taux de drop, et le nouveau LF a 0,5. Donc, je veux bien comprendre que le EX revient assez souvent, mais à la sortie du portail, si tu veux, par exemple, jouer le EX, c'est généralement là où tu peux un peu le jouer. Si tu ne l'as pas, parce qu'il y a de fortes chances que tu ne le drops pas, eh bien, tu vas jamais pouvoir le jouer. Parce que le temps de le PZ, le temps d'obtenir, en fait, il est plus jouable. Et ça, je pense que c'est une connerie. Il faudrait, je pense, par la suite, donc pour les prochains portails, donner les EX, donc dans un event pour les monter jusqu'à 6 étoiles, par exemple, gratuitement. Et après, les portails te permettront d'obtenir d'autres étoiles et donc de rendre les personnages jouables et jour 1. Et ça, c'est quand même important. Et puis, ça donnerait des persos free-to-play en disant, tu vois, t'aimes bien les deux EX, donc si tu vas choper le LF qui accompagne, en l'occurrence, la Jiren, ben, ça va être bien plus fort. Donc, je pense qu'au niveau marketing, ça pourrait marcher, mais il faudrait, bien sûr, ne pas laisser un seul personnage dans le portail et mettre un Sparking qui l'accompagne. Et là, par contre, il faut que tu le drops. Voilà. Pour les Sparking, c'est différent des EX, vu que le taux est bien plus élevé. Donc, le personnage a des stats très basses, bien évidemment il est blast et vert, donc vous allez voir dans ses passifs, notamment son main qui est très fort. Une fois à 14 étoiles, les stats sont plutôt correctes, hein, notamment en défense, c'est pas mal. D'autant plus qu'il a l'équipement des EX qui est assez goldé, hein, ce que n'ont pas les Sparking. Donc franchement des stats plutôt correctes, mais vous voyez qu'entre 6 étoiles et 14, il y a un monde, hein, il y a vraiment un monde. Donc il va falloir retravailler la formule des EX, je pense que c'est vraiment urgent. Donc le personnage va ramener 2 cartes blast sur le terrain. Au niveau de sa spé, parce que bon, elle est intéressante, il augmente de 30% les dégâts des coups critiques pendant 3 secondes. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont dans le sens des coups critiques. La carte verte, elle va changer nos cartes strike en blast. Et on va prendre moins 10 en coups pour nos cartes blast. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. En plus de ça, il va infliger à l'ennemi, enfin tous les ennemis, un malus donc de stats qui va augmenter de 20% les dégâts donc blast que va subir l'adversaire pendant 20 secondes. Donc on va toujours dans le sens des dégâts blast et de bien sûr faire en sorte avec ce personnage de taper avec des cartes blast, parce que bien sûr, on va le voir juste après, mais il va vraiment dans le sens des dégâts d'énergie. Donc
Au niveau du main, et ça c'est le plus intéressant, donc il se régénère la force de 15%, il va détruire l'intégralité de nos cartes et va en tirer 3 au hasard. Donc si t'as pas de carte qui t'intéresse, ça te permet de potentiellement poursuivre ton combo. Et en plus de ça, tu as un lock. C'est-à-dire le lock de 5 secondes. Donc par exemple, tu as Gogeta Ultra en face, tu fais le main avec Dispo, l'adversaire fait un pas de côté, tu repioches 3 cartes, et là tu vas pouvoir combo et taper l'adversaire, et potentiellement le tuer. Tu fais entrer Jiren parce que ça ne te lock pas tes personnages à toi, mais à l'adversaire. Et donc tu vas pouvoir faire l'ultime, le rising ou autre, et prendre un avantage considérable. Et ça c'est important de le préciser. Au niveau du premier passif, on peut voir que lorsqu'il entre en scène, il tire une carte d'art énergie. Donc voilà, une carte blast, donc c'est assez facile. Il se régénère le ki de 30, donc pour lâcher la blast bien sûr. Il augmente de 20% les dégâts d'énergie infligés pendant 20 secondes. On peut voir qu'il a 40% de réduction des dégâts subis pendant 20 secondes. Il augmente de 30% le taux de coups critiques pendant 15 secondes. Donc encore une fois, on voit que ça va dans le sens des dégâts d'énergie et des coups critiques. Et on peut voir qu'il réduit dans son deuxième passif en permanence sa durée de mise en attente de 2 secondes. Donc ce qui te permet de switch assez souvent et potentiellement d'éviter le rising sur un Jiren ou quelqu'un d'autre ou un perso qui va mourir. Et pourquoi pas envoyer dispo ou switch et donc te permettre d'esquiver un rising, une spé, un ultime, enfin bref. Et en plus de ça, au début du combat, il a plus 70% de dégâts infligés. Et bien sûr, quand il se replie, il a un pivot, donc il augmente de 15% les dégâts infligés. Ça se déclenche 2 fois. Il augmente de 10% les dégâts des coups critiques, ça se déclenche également 2 fois. Et il augmente de 15% les dégâts infligés par les alliés pendant 10 secondes. Donc le dispo est plutôt intéressant, c'est pas le meilleur, mais en tout cas, il reste plutôt assez sympa. Donc, topo, hein. Artwork aussi, encore une fois, stylé. Donc, présenter 2 personnages dans une présentation, on va essayer de faire court. Mais voilà. Donc là, le perso a des stats déjà plus sympa, hein, forcément, vu qu'il est plus étoilé. On peut voir ici que le perso est assez complet. Hein, donc, c'est assez stylé. À 14 étoiles, le personnage a des stats plutôt bonnes, hein, notamment au niveau des points de vie. On voit que c'est un personnage qui fait tout. Donc ça, c'est assez cool. Et c'est un type assistance, donc c'est pas pour rien. Il est jeune, donc il peut se montrer, notamment face aux violets de la méta, les bleus, les verts, enfin bref, il n'a pas vraiment de couleur qui lui pose problème. Le personnage donc, sur sa spé, va augmenter de 50% la vitesse de récupération du ki des alliés pendant 15 secondes, ça c'est assez fort. Sa verte va détruire l'ensemble de nos cartes et de l'adversaire, et elle va infliger un malus de stats augmentant de 10 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 15 secondes. Il va réduire donc c'est à l'adversaire hein, bien sûr ce malus, et elle va réduire de 20% les prochains dégâts subis. Donc ça, c'est assez sympathique. Pour le main, il va régénérer la force des alliés de 20% et le ki de 30. Mais il régénère également plus de 10% la force des classes univers 11. Donc en fait, on prend une régène de plus de 30%. Ce qui est plutôt cool quand tu vas te faire taper dans cette team. Et en plus de ça, ça va augmenter de 30% les dégâts infligés par les alliés pendant 20 secondes. Donc ça, c'est un main vraiment goldé. Le premier passif, bon, voilà, au début du combat, tu vas prendre plus 40% de dégâts infligés, tu vas avoir une réduction de 35%. Mais là, ce qui est cool, c'est ça. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Augmente de 30% les dégâts d'énergie infligés pendant 30 secondes. Donc là, le Jiren, j'ai tout intérêt à le booster de manière blast. Hein. Donc c'est vraiment l'idée. Et donc, réduit de 5 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 10 secondes. Et réduit de 2 secondes la durée de mise en attente des classes univers 11. Qui te permet de switch assez souvent. Et ça, ça me fait penser à la team LOE. Pour le deuxième passif qui est cool, lorsque vous êtes mis KO, augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés. Donc l'idée c'est de tuer en premier lieu, enfin de faire tuer le petit topo. Et lorsqu'on se replie avec ce personnage, les effets suivants s'activent. Si vous avez 3 cartes ou moins, tirez une carte au hasard, on prolonge le combo. Augmente de 15% le taux de coups critiques des classes univers 11 alliés pendant 15 secondes. Coucou dispo, hein, encore plus, et bien sûr Jiren. Inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 1 rang la vitesse de pioche de cartes d'art pendant 15 secondes. Et inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 20%, pardon, les dégâts subis pendant 15 secondes. Donc la présentation était assez longue pour 2 personnages, mais vous pouvez voir que c'est plutôt sympathique au niveau des EX. Ce qui leur manque potentiellement, c'est des étoiles pour vos box. Mais croyez-moi, on va tester ce trio ici. Et vous allez être surpris parce que franchement, c'est plutôt sympa, c'est fun, mais c'est sympa. Allez, on attaque la première game. Et on veut du sale tout de suite, vous me connaissez, je veux du sale direct. On va jouer 2 EX. Donc c'est à préciser, et on va affronter du Gogeta Ultra 14. Majoub certainement, oui certainement, oui, parce que là on a quand même les couleurs pour qu'il le sorte. D'autant plus que Jiren est notre DPS de la team, vous l'avez compris. Le personnage à perdre en premier lieu, c'est le topo. Idéalement on claque son main avant pour soigner nos alliés. Le dispo qui va, de par son lock, être intéressant, si on arrive à le placer bien sûr, hein, parce que bon, sur le papier c'est facile à dire, mais à faire c'est autre chose. Et Jiren, bien sûr, le DPS de la team.
Donc là, ici, je vois bien Gogeta Ultra, Gogeta 4 et Majoub, hein, tout simplement. Allez, on va partir comme ça. Mais ça va être chaud, ça va être très chaud. Allez. Vraiment, l'arène, je la trouve plutôt stylée, celle-ci. DB Legends, franchement, c'est... Ah là là. Le jeu a ses défauts, mais... Important de préciser que c'est magnifique, quand même. Ok, bien joué. Donc, il envoie direct la cover. Bon, après, ça m'arrange qu'il le fasse en début de game. Par contre, s'il ne switch pas à cette carte-là... Il a de la chance. Parce que là, je claquais le main direct pour le fumer. Magnifique. Ah là là, j'aurais peut-être dû envoyer le topo. Non. Là, je vais le lock. Je le lock. Regardez bien. Je les lock là. Il peut plus sortir Gogeta 4. C'est 5 secondes. Je le tue. Je cherche pas à comprendre. Gogeta 4, il est trop pénible avec ses covers. C'est fini. Donc là, on a pu voir le log de Dispo. En l'espace de quelques secondes, on a pu voir que par contre les dégâts... Vous avez vu les dégâts de Dispo ou pas? C'est le manque d'étoiles hein, qui fait... Et encore, moi, je les ai bien étoilés. Parce qu'il y a des personnes qui les ont quand même bien moins étoilés que moi. Parfait, ça... Qu'est-ce qui se passe là dans cette game? Bah attends, mais là j'ai le... Qu'est-ce qui se passe, frère? Rising? Rising, Rising tous les jours, si je peux lui enlever le Gogeta. Je vais faire la Blast. Peut-être qu'il va le tanker. Ou le contrer, hein, je sais pas. Attends, mais on est sur une game parfaite, là. J'ai même pas perdu encore mon topo qui m'aurait donné des boosts à sa mort. Donc c'est assez ouf. Je vais me jeter. Et là, boum. Là, il est mort, là. Fouah, la game parfaite. Game parfaite. Que dire de plus? Franchement, une game incroyablement stylée. Tout est passé, c'est-à-dire que, bon, on n'a pas eu le kill, mais heureusement, hein, c'est pas plus mal. Mais on a pu voir vraiment l'élément principal de Dispo, c'est le lock. Le lock nous a mis très bien, l'adversaire en face se jetait beaucoup, donc on va pas se mentir, il nous a bien aidé. Par contre, c'est tout à son honneur, hein, parce qu'au moins, il a pas un gameplay passif, donc je vois que c'est un Français. Donc si tu passes par là, frérot, bah écoute, GG à toi, belle game. Et puis, on peut voir que c'est quand même assez fort. Après, bien sûr, vous allez avoir les YX certainement moins étoilés que moi, donc forcément c'est moins fort. C'est tout le problème que j'exposais dans la première partie de vidéo, donc pendant qu'on présentait les personnages, il faut des étoiles sur les YX pour les jouer tout de suite. Et ça serait bien, ça serait vraiment bien, parce que là quand on les voit ici avec un peu plus d'étoiles, même si je pense que la base minimum pour les YX c'est 9, c'est-à-dire voilà, tu les as 9 c'est bien, eh bien on peut voir que c'est plutôt solide. Mais... Ça reste Ultime Fun concrètement. Mais en tout cas, le trio de l'univers 11, pour l'instant, me fait plaisir. Et on va tester ça dans une seconde game. Une petite team Saiyan, ça faisait longtemps. Bon, par rapport à notre showcase, ça se montre largement. On a Ozaru qui est dans la team en face et qui va être pris, je pense, à 6 étoiles. Donc ça, c'est bien. Ça fait un petit peu le même nombre d'étoiles que Dispo. Et à côté de ça, bon, on a le Gogeta en face Ultra qui est 8 étoiles. Donc c'est très bien. Et on a le Goku. Bon, les Zenkai sont pas très étoilés à part le Goku SJ3. Donc on est sur un showcase, enfin on est sur une team en face qui se montre dans un de mes showcases largement. Maintenant attention à l'ultra, hein, c'est toujours le problème numéro 1. What? Il a pas pris l'ultra? Ah mais là je comprends plus rien moi. Ah je pensais qu'il avait le... Ok c'est très bien joué, hein, c'est très bien joué parce que je pensais qu'il avait l'open save. Donc j'ai voulu back et au final il a attaqué, c'était très bien joué. Ozaru qui est plutôt un LF sous-côté hein. J'en avais parlé dans son showcase. L'aspect ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon bah là de toute façon il fallait que j'attaque hein. Ok. Dispo fait quand même énormément de dégâts hein. Je suis choqué de ouf. Dispo il est que 6 étoiles et je pense que c'est un Yek qui fera énormément de dégâts. Ok, bah là il y a moyen que je le finisse. Hein. Ok, j'aurais pu faire l'ultime, hein, mais je l'ai gardé là. L'idéal c'était de faire l'ultime, hein, bien évidemment les gars.
On fait le main, comme ça on a soigné Jiren. C'est cool. On va essayer de montrer un peu plus les EX quoi. L'idée c'est quand même ça. Allez mon petit dispo. Non, les dégâts qui calent dispo, c'est impressionnant. Franchement c'est impressionnant de ouf. L'aspect. Ah bien joué, bien joué, bien joué. En plus il annule les covers. Je crois que pour une carte, ou je sais plus quand 20 secondes, mais en tout cas il annule les covers là. Ok, donc là ici on l'enlève. Ça c'est cool. Je peut-être qu'il y a un rising là. Bien joué. Bien joué, bien joué. On va le laisser gentiment. Et s'il y a quoi que ce soit, on enverra Topo. Enfin, je pense qu'il va faire le main. Il va main là, je pense. Non. Ah voilà, il a main, ok. T'inquiète pas, ma petite fouine en face. Ça va pas se passer comme tu le penses. Je sais que t'as une belle petite carte verte ici. Bah, c'est bête parce que t'as perdu la nullification. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Bah, vous voyez les joueurs, c'est terrible, hein. C'est terrible, c'est terrible. Et ouais, là, du coup, il a merdé, hein. Il a merdé de ouf. C'est quand même atroce, hein. C'est quand même atroce. Bon, on va envoyer le petit Topo. Comme ça, au moins, il va me le rising. C'est quand même l'idée, hein. Parce que si je lui tends pas la main, bah... Regardez, allez, vas-y, mets ta carte VR. Bah tiens, mange. Tu veux pas, frère? Allez, vas-y, on va détruire nos cartes et les siennes. Ça, au moins, là. Mais gros, c'est quoi ce gameplay, là? Mais les gars, vous allez... Il veut aller au timer, en fait, je crois. Il veut aller au timer, c'est pas possible, il veut aller au timer. Gameplay d'un joueur Saiyan, quoi. Bah vas-y, rising, là. Rising tous les jours, même. Putain, c'est... C'est incompréhensible, incompréhensible ce gameplay. C'est... Je sais pas les mots. Vous allez rester choqués, hein. Je pense que vous allez rester choqués. J'ai l'impression à chaque fois dans mes showcases, il y a des pépites, c'est pépite land. C'est, je sais pas, à base de pépito, je vous nourris à base de pépito. C'est un délire. C'est un délire. Allez, tiens, fini. Game terminé. Ah, ça prendra à fond de map. Oh là là, en plus il était stun. Voilà, ça c'est ce que j'appelle du karma in the face. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça fait plaisir. Ah là là, ça fait plaisir. Voir la gueule de Goku SCJ3 en train de d'être pas bien là, ça fait plaisir. Bon, une deuxième game plutôt chelou, hein, parce qu'il a pas pris Gogeta Ultra, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu être sympa, puis après il a vu qu'il avait pas l'avantage, donc il a campé. Enfin, c'était un peu chelou, c'était très très chelou, mais c'était plutôt intéressant. Parce qu'on avait des personnages qui étaient, on va dire, avec un nombre d'étoiles similaire par rapport à nos EX. Et ben on a pu voir que les persos font quand même du très bon taf, surtout défensivement. Offensivement, le dispo est vraiment impressionnant, donc je suis vraiment très surpris de dispo. Et pour que je dise du bien de ce lapin de merde, c'est qu'il faut quand même aller très loin. Donc du coup, on passe à la dernière game, mais je pense que vous allez être plutôt convaincus pour le moment. Je suis très très content des personnages, bien sûr, ce n'est pas une grosse team, mais... Il y a du potentiel avec beaucoup d'étoiles, mais bon, le temps de les monter, je pense que ce sera déjà trop tard. La dernière game contre le frérot Raito de ma guild, donc qui va jouer une petite future qui n'est pas la plus étoilée. Donc déjà, ça va pour nous. Mirai Gohan est quand même 6 étoiles, je parle par rapport encore une fois à notre dispo et Topo. Bon, Jiren est plus étoilé, mais il a le même nombre d'étoiles que le Trunks, donc c'est bien. Il va certainement prendre le Rosé LF, parce que le Rosé LF lui permettrait d'avoir... l'entêtement à la survie au chaos de Jiren, donc ce serait bien. Et puis bon, avantage couleur face à dispo, sachant que le perso, quand il fait sa verte et qu'il enchaîne avec une spé, il a la nullification du type, donc ça aussi c'est important à préciser. Et c'est pas gagné d'avance ici, hein. Là il va avoir double survie au chaos, perso qui tape très fort, entêtement à la survie au chaos, ça va être délicat. À mon avis, il a dû dropper le rosé il y a peu de temps. Ah, est-ce que son animation est assez longue? Oui, elle est assez longue, on a la réponse ici. Là, j'ai break over volontairement. Voilà. Ok. Ça va être tendu, là. Va falloir jouer safe. Ouh, bien joué, ça. Très bien joué.
Heureusement qu'il est 6 étoiles le Mirai, hein, parce que là je le prendrais vraiment bien plus cher. Ok, bien joué. Ok, donc là on fait ça. On va faire la blast pour potentiellement stun. Il va envoyer Trunks, je pense. C'est pas passé. Ok. Donc là, volontairement, j'envoie dispo. On va le lock. Est-ce que je peux envoyer la blast? On va faire ça. Ok. Oh, bien joué. Il a attaqué direct. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ça. Ok. Ta topo, il fait des dégâts aussi. Hein. Bon, après, il est 3 étoiles ici, donc c'est normal. Mais voilà. Je suis quand même plutôt content de ce que font les EX. D'accord. Non, dispo, franchement, dispo me surprend de ouf. Ben là. Ah oui, ah, il a jauge unique. Ok. Bon, là, j'aurais pu faire le main et tuer, mais. Aïe aïe aïe. Ouais. J'irai une tank plutôt bien ici également. Le rosé, faudrait que je le re-showcase le rosé. Parce que la future elle a quand même pris des up. Bien joué ça. Bien joué de la part du frérot. Alors je sais pas s'il va jouer avec le Rising ou sans. Je pense qu'il va y jouer. Enfin il va l'utiliser à un moment donné je pense. Il n'a pas l'air d'être parti pour 94 secondes de jeu. On a... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est assez chelou. Bon, là, je pense que notre topo va survivre. S'il ne survit pas, c'est pas grave, parce qu'on rappelle qu'il va donner des boosts. Ouais, il a quand même bien tanké. Oh, il est 8, hein. Là où son perso est moins étoilé. Ok. Dispo. Qui récupère la blast. Et la blast, ça met trop bien, en fait. Le fait qu'il génère des blasts à l'entrée en scène, c'est juste beaucoup trop fort. Aïe, 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 je me jette trop facilement, là. Il va me le tuer, je pense. Heureusement qu'il a fait ça. Heureusement qu'il a fait ça. J'ai failli jouer avec le feu. J'ai eu chaud. Enfin, j'ai eu chaud. Allez, dispo. Faut que tu tankes, mon frérot. Faut que tu tankes. Je sais que ça va être chaud, mais faut que tu tankes. On va essayer de te garder un petit peu. Oui. Parfait, ça rend lieu. Alors là, par contre, on a eu un très bon move. Ah, là, ça va être tendu. Là, ça va être tendu. Attends. C'est passé? Ok, bon je pensais pas qu'il allait envoyer la blast. Eh ben écoute. Enfin écoutez. Showcase plutôt parfait. On arrive à avoir le LF de Jiren. J'étais pas prêt à ça, je m'attendais pas à ce qu'il envoie une blast. Donc ça aurait pu être une spé bien sûr, donc c'était kit ou double. C'est passé pour moi, j'avais pas réussi à montrer le LF de Jiren en vidéo. Ben c'est chose faite, très très beau gameplay de la part du frérot Raito. Qui bon a souffert un peu des étoiles je pense. Et mais globalement c'était une très belle game hein. J'ai vraiment kiffé de ouf et apprécié la game. Donc très content. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce showcase, mais franchement je trouve qu'il est plutôt réussi. On a bien montré les EX, on a bien montré le côté offensif de Dispo. On a montré de l'autre côté bon à quel point le topo était plutôt intéressant. Sachant que là on a récupéré le bonus de dégâts infligé là-dessus. Bon même si c'était un peu tard. Mais concrètement, on a montré le lock, on a tout montré, le heal qui est plutôt très important, hein, parce que c'est 30%, 30% c'est quand même énorme. Donc très content de ce showcase. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé des deux EX et de Jiren dans la team. Pour demain, n'hésitez pas justement à attendre avant de balancer vos tickets. Je ferai peut-être une vidéo, je verrai, ou un live. Un live c'est sûr, je reprendrai les lives demain. Donc au niveau des lives, je vous expliquerai quelle compo il faut prendre pour le PVP demain avec les teams des EX. Hein. Donc attention, on fera ça en live et au moins je vous montrerai les compositions possibles. Et ça pourra vous aider. Passez une bonne soirée et comme d'habitude, n'hésitez pas à un maximum de pouces bleus pour la force. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour les notifications.
prenez soin de vous et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur un LF qui a été très sous-coté et qu'on attend. Ciao ciao l'équipe.